Et bien sûr, Milou Louis, XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour un petit... Un petit... Ah, beau. Ah là là. Allez hop. Non, t'auras pas mon âme. Ouh, si, va l'avoir en fait. Oh là là, il est chaud. Je te déteste au bec, t'es pas beau. T'es pas beau. Ou pas. Ouh. Et voilà. Ok, il y a des petits zombies partout. Ah, il y a des zombies partout. Non, lâche-moi le zombie. Mais merde! Merci. Hop. Hop. Et hop. Ouais, je pense qu'on est bon là. Ah, ils sont tous morts. Alors, The Black, t'es où? Death himself. Bah, t'es loupé! Eh, tu t'es loupé. T'es foutu, Zobek. Je vais te montrer c'est qui le patron, moi, Zobek. Attends, laisse-moi récupérer un peu de vie, s'il te plaît. Ouh là 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 là, c'est quoi ce rayon laser là? Non, non. Aïe, ça fait mal. Et ben alors, Zobek, t'as plus l'air très chaud et d'aider de m'affronter là. What? Attends, je te reprends un peu de vie, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu. Mais... T'es nul comme boss, en fait. T'es vraiment nul. Ah, il est nul, putain. Ah, le retour des pas beaux qui vont appeler leur servant. Bon. Premier réflexe, hop. Un. Et. Ah. Alors, il est où le dernier? Il est là. Et voilà. Terminé. Allez. Tu rien?
plus de musique. Tu fais pas peur, gros. Ah, j'ai rien dit finalement. Comme quoi, il est capable de m'impressionner de temps en temps. J'insiste bien sur le temps en temps. Vas-y, protège-toi avant moi du rêve. Ah bah, GG hein. GG well play hein, Zobek hein. Ah ouais. Excuse-moi Zobek, mais t'es nul. Ah! Oh, non! Tu t'es loupé! Vive la désactivation des QTE! Allez, salut Zobek! Oh putain. Eh hey, mais oh hey, tu commences à abuser Zobek là. T'as pris les en fait ou quoi là? Tu es à moi Zobek. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Salut. We must separate to find out where the last acolyte went. Yes, Father. We need to hurry. I'll let you know if I find him. Par reforger, il voulait dire que la Midus coche dessus, en fait. Ça va bien, j'avais vu un truc qui brillait ici. Ah, mais c'est les trucs de défi, Joseph. Bon. Ah! Il y a de la meute. Bon, je pense qu'on va laisser s'affronter, hein. On va vite en profiter pour se barrer. Si j'y arrive. Voilà. Ouais, je suis supposé aller où là en fait, parce que c'est bien joli de me dire ça, mais au final je sais pas où je dois aller quoi. Ouais, peut-être que je les tue hein, finalement. Ouais, mais il faut peut-être que je les tue. On sauvegarde. Bon, on va les tuer hein. Ah, porte qui s'ouvre. Il n'y a plus de monstres. Sans où? Je dois aller où là?
Ils sont même plus là, quoi. Ah si, il y a des petits monstres. Allez! Je suis pas vraiment sûr que ce soit je dois tuer. Oh putain. Non, vous savez quoi? On va se tailler. C'est bon, j'ai eu ma dose de combat pour aujourd'hui. Ou alors, à mon avis, il y a peut-être un truc que... Ah, mais... Ouh! Ouh! Salut! Ici je peux pas y aller non plus. Alors qu'est-ce que je dois faire exactement? C'est quoi ça? Oh la douleur! T'avais tout marché au sang ici, sérieux là. Vous imaginez, franchement, c'est en 2020, tout marche au sang. Oh là là, on va vite se vider de notre sang, hein. T'es sur YouPorn. Vous êtes ici. Ouais, mais je comprends pas. Je dois faire quoi exactement, là? C'est gentil de m'amener ici, mais... Au final, si mon objectif me dit même pas où je dois aller... Je peux plus retourner ici, hein... Ah! Ah, faut peut-être ça juste sortir, au final... Attendez, comment ça se fait que j'ai accès au château alors que... Je devrais pas normalement. Et où le jeu? T'as pas envie de me dire ce que je dois faire là? Pas affronter une meumeu. Je vois pas ce que je dois faire. Peut-être que je n'ai pas assez de puissance. Mais ah! Ah, la mort! Ça y est, avant qu'il explose, lui. C'est comme... Oh, stop, là! Mais j'ai esquivé, là! Encore, tu me saoules, toi. Mais... Ah, j'ai dit tu me saoules! Non, mais arrête avec ta morve là! Bon! Je dois trouver l'endroit choisi par Satan. Ça suppose qu'il va pas me le dire, hein! Bien entendu, il va pas me le dire, le jeu. Ah, l'endroit choisi par Satan. Bon, on va retourner là-bas. Hein. Peut-être là-haut aussi, non?
Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ma cathédrale en fait, l'endroit choisi pour Satan. Comment je fais pour y accéder C'est une très bonne question, mon fils. Bon, ça doit bien être marqué quelque part. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que j'aurais loupé un truc ici? Ah oui, j'aurais loupé un truc ici, c'est pas possible. Ah! Qu'est-ce qu'il y a là-haut? L'endroit choisi par Satan. Alors, l'endroit choisi par Satan. Comment je suis supposé le savoir? C'est ça le truc. C'est un monstre qui va me le révéler, peut-être. Il y a énormément de monde là. Allez, on éclate tout le monde. Voilà. Ah, d'où t'es sorti, toi? Non, j'ai esquivé, putain. Aïe! Non! Arrêtez de me faire fort tourbille! Oh, mais c'est bon là! Vas-y, je sais quoi, je me casse. Moi, je veux juste savoir où il est où l'endroit choisi par Satan là. Faut que je fasse quoi exactement pour savoir l'endroit choisi par Satan là? Allez. Bon, ce qui est clair, c'est que ça doit être quelque part dans le château. Donc on va aller voir sur la carte ce qu'il faut faire exactement. Ah non, hein. Tu vas mettre une cinématique à chaque fois pour me dire qu'il y a la carte qui s'ouvre. Où est-ce qu'il pourrait être? Non, il me dit que c'est ici, hein. Il me dit mission principale. Bon, on va ressortir. On va essayer de comprendre où est-ce qu'on doit aller parce que là, ça n'a pas l'air de grandement m'aider. Sauf si vous me laissez un instant parce que là, ça me perturbe pas mal. Hop, 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 hop. Laissez-moi un instant.
I've found him, Father. Ah. The acolyte is in the cathedral where Zobek first found you. Hurry, hurry. Eh ben putain, on a fallu du temps, fils, pour que tu décides d'en parler, quoi. Le pire, c'est que j'étais en train de regarder une soluce pour voir, et là, tout d'un coup, t'as Lucard qui arrive complètement random. Ouais, papa, ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, wesh. On va lui péter sa gueule. Bah oui, fils, on va effectivement lui péter sa gueule. Ou alors, il va nous péter la gueule parce que je suis pas tellement au top de ma forme, là. Bon, vous savez quoi, les mobs, on va les ignorer un max. Ah, c'est ici. Sérieux, là? C'est pas de là que je viens, à la base? Ah non, c'est pas ici. Je peux pas jump au-dessus de ça, là? Ah bah non, hein. Enfin, c'est trop beau, sinon. Touloulou. Allez, on se dépêche. Ah, mais je suis sûr que j'aurais pris la carte, j'aurais peut-être pu aller directement, quoi. Ah ouais, c'était con, sérieux. Bon, c'est pas grave, vous me direz. Je vais mettre un peu plus de temps pour y accéder, quoi. Là. Oh, vous avez vu cette maîtrise du jeu quand même? À quel point je peux me la jouer Assassin's Creed? Ah. Bon. Allez, plus vite, Axe. Ouais, j'aurais tellement pu aller plus vite, sérieux. Sérieux, là? Voilà. Petit temps de chargement. Ah, quel idiot j'ai fait, quand même. Quel idiot. Ça aurait été tellement plus rapide si j'avais pris la carte, au final. Oh, c'est pas grave, ça fera un épisode de plus. Je dis saute du con, merci. Alors, remarque, attendez un peu. Désolé mec, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas de temps à t'accorder, mais. Je sais pas comment je passe. C'est de là que je viens. Ah stop hein! Comment j'y vais? Y'a moyen de sauter, vous croyez? Ah pas moyen. Faut que je trouve une autre entrée. Comment je fais pour trouver cette magnifique entrée d'ailleurs? Ah nickel. De quoi se recharger. Ils sont deux quand même, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah, peut-être par là, hein. Putain, par où on passe, là. Sur le coup, c'est pas très détaillé, hein. Bizarrement. Peut-être que si je passe par là et que je reprends l'autre truc, peut-être que ça va me renvoyer au truc. Ah bon, c'est pas explicite la façon dont il faut accéder, hein. On va voir, hein. C'est pas par là, tant pis, hein. Eh ben non, c'était pas par là, putain. Sérieux. Et attendez, je peux accéder à la boutique direct.
tant pis. Donc il m'envoie par là, donc ça veut dire que c'est pas là que je dois aller. Il y avait un truc qui bloquait le passage, j'étais supposé accéder comment? Sacré jeu, sacré jeu. Ah, t'es tout seul? Je peux récupérer mes âmes, s'il te plaît. J'ai dit récupérer mes âmes. Wow. Putain, je peux même pas me protéger face à ça, sérieux. Gueule. Ça va faire boum. Coupé. Ah, là par contre, tu peux louper quoi. Allez, viens. Et hop, diversifie un peu. Ah, bâtard. C'est joliment fait. Bien sûr, j'avais fait ski, mais je dis rien. Ah. Je t'ai calmé. Je t'ai calmé. Hein, je t'ai calmé. Allez, fais boum. Bon, cherchons comment est-ce qu'on rentre là-dedans maintenant. Fallait tuer les mobs, ils sont sérieux là. Hein? D'accord, complètement random, le mob il sort de nulle part, il met ma race, hein, autant le dire. Hein. Oui, bien sûr. Tiens, des coups de lasso en ta gueule. Allez, salut. Salut, Roger. Bon. Maintenant la grande question, pourquoi est-ce que je peux pas accéder à ce machin? Ouais mais... Qu'est-ce que je suis supposé faire là? C'est bien beau de me dire que c'est là, mais je monte comment là? Faut que je force un mob à rentrer dedans ou quoi? Non, y'a rien.
rien là. Vous pouvez pas me lâcher un moment les mobs s'il vous plaît. Je peux pas juste passer par là, ce serait peut-être plus simple, non? J'avoue que je suis paumé en fait, je comprends pas ce qu'il me veut le jeu. Il me dit que c'est par là, oui je veux bien. Je veux même très bien même, mais... Oh tu arrêtes de me coucher dessus bâtard. Bon. De toute façon j'ai pas trop chaud là. Ah oui, bien sûr, oui. Allez, viens, je vais vous montrer c'est qui le patron, comme d'habitude. Hein. De toute façon, vous les montrez, vous n'apprenez jamais vos erreurs. Moi non plus, apparemment. Voilà, finish. Ah, à chaque fois il fait le même. À chaque fois il fait la même chose, c'est ça le pire. Bon. Ça fait boum, merci. Je commence réellement à croire que je dois faire péter un mob à côté quoi. Bah non, là le son c'est. Comment j'accède quoi? D'accord que là-haut y a rien. Ah putain! Hein? 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 Nani! He is here. Let's go. Merci le jeu de me retroller, de me faire passer pour un noob. De toute façon, je suppose que vous adorez ça depuis le temps. Hein. Allez, c'est l'heure. Affronter Satan. Oui, encore un. Allez, le miroir. C'est marrant parce qu'à chaque fois il doit le refaire hein, le miroir, c'est ça qui est drôle. Genre il pouvait pas ramener de la super glu. Non, ça coûte trop cher super glu de nos jours de toute façon. Excusez-moi. Un dernier morceau. Ouvre-toi la porte. Ouh, c'est quoi ce truc tout droit devant? Ça sent le combat épique. In the name of Satan, Lord of the Earth, King of the World, I order the forces of darkness to pour its infernal power over me. Let the gates of hell open wide. And from the abyss greet me as your brother and friend. I order everything to be as I command. Thank you.
despise incompetence. I must congratulate you. I confess, I had not expected to see you here. We could share this world. You and I. But you desire to destroy me. I see that now. I'm very well aware of your power, Gabriel. However, I desire to destroy this world. If I cannot rule the world of men, then no one will! It's time. Stop him before he escapes. We must go up. Ça va, à l'aise ? Allez, on monte ! Ah ! Bobo ! Carrément dans l'espace, les mecs! We need to reach those chains. Oula! Oula! Wouh! Bobo! To your left, there's an access that will allow us to reach the back of the beast. Sérieux là? Ah! Je sais pas où je dois aller là! Ah, mais putain! Oui, je sais que le temps presse, mec. C'est pas ma faute. C'est le joueur. Laisse-moi boire un coup, là. Ah, j'avais une petite soif, désolé. Oulala! Arrêtez de faire vos Superman là! Vite! Now!
come closer, son. I want to embrace you. I like this body. Let's see what it can do. Alucard's plan was always to betray you. Alucard only longed for your power, Gabriel. I know that now. Ah, putain, il va être dur! Join us, Gabriel. Let's form a trinity. Whoa! Oh putain, il est hard! Ah non! Ah, ignoble! Augmente ta pote. Non, j'ai foncé dedans quoi. Et mais Alucard, t'es ignoble comme personnage en fait. Oh putain. Excusez-moi, le Alucard était ignoble comme personnage à affronter. Ah! Bobo. Alucard a surrendered to me without reservation. Allez, concentration, Rex. Allez, phase 1 terminée. Aïe. Ah putain bâtard. How much punishment can this body endure? Wow. Attends Alucard, attends, s'il te plaît Alucard. Sois gentil avec moi un instant. Ah putain merde. Ah merde. Mais où? Il va m'avoir!
va être dur le combat. Ah, il va être dur. Il va être très dur même. Le problème, c'est que je crois qu'on commence depuis le début. Hein. Ah ouais. Ah! Don't hit me, father! Vous savez ce que j'aimerais bien en jeu? Ah putain. Mais non, putain. Your hate for me gives my life direction. Deep down inside, you need me. En fait, faudrait que je le laisse me dasher. Your son who's suffering, not me. Whoa. Allez, on peut l'avoir. Don't hit me, father. Hey, je me suis protégé, mec. Aïe, bobo. Bien sûr. Je suis curieux, ça c'est ce qui commence cette merde là. Voilà, c'était bien, c'est ça que je voulais. C'est que tu me rushes dessus pour que te bouffe ton âme. Je me suis protégé là, je tiens à le signaler. Ah merde. Mais non. Pas grave, j'ai du sang. Je suis quand même curieux de savoir comment je suis supposé esquiver ça, quoi. Oui, donne-moi de l'âme. C'est bon. Ah, tu recommences? I'll crush your will. I'll do it. Mais non, mais... C'est inesquivable cette merde ou quoi? Excuse-moi, Son, c'est pas que je t'aime pas, mais. Pour le coup, tu me fous un peu dans la merde là! Oui, bien sûr, je suis totalement hors de portée, pourtant il arrive quand même à m'avoir, quoi. C'est ça le pire. Aïe 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 aïe, ça devient chaud là, ça devient chaud, je vous avouerai. Without reservation.
Heidegard's plan was always to betray you. Allez! Allez! Encore une autre phase! When this is over, you'll bow down at my feet. T'inquiète pas, les vampires, il a l'habitude de souffrir. C'est ce qui nous met, c'est ce qui nous rend si spécial. Ah, il a gagné. What now, Prince of Darkness? Are you going to kill your son again? I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. Father, the sun is rising. It's time to go.
What happens now? Who knows what fate has in store? Félicitations, vous avez terminé Castlevania Sans Shadow, tous a été vaincu, mais vous pouvez continuer à jouer pour améliorer vos caractéristiques. Bon, ben voilà. Oh. Ben voilà, c'est la fin. On a terminé Castlevania, Lord of Shadow 2. Il y a un DLC qui arrive d'ailleurs très prochainement. Je ne sais pas si je vais l'acheter personnellement parce qu'on va jouer à Lucarne. Bon, ce serait cool de jouer à Lucarne, mais... Je sais pas, je trouve que ça sort trop vite comme DLC en fait. Bon, qu'est-ce qu'on pourra dire alors sur ce jeu? Bah personnellement, je l'ai trouvé génial, hein, moi du début à la fin. Sauf qu'il a quelques tares. Enfin non, il a une tare en fait. C'est ses phases d'infiltration. Je trouvais que ces phases d'infiltration n'avaient rien à faire là. Je me suis répété 20 fois dessus, voire même une centaine de fois pour pas dire. Et voilà, pour moi, les phases d'infiltration sont un élément de gameplay qui n'aurait jamais dû être intégré dans ce jeu. Peu importe que scénaristiquement Dracula était faible, il ne pouvait pas affronter certains types d'ennemis, je suis désolé, ça n'avait rien à faire là. Ensuite, bah peut-être que l'ambiance est moins magique que dans Castlevania Lord of Shadow 1. J'y ai pas joué hein, Lord of Shadow 1, mais j'ai vu beaucoup de vidéos et de streams dessus. C'est vrai qu'il y a une putain d'ambiance, il y a quelque chose qui ressort de ce jeu, c'est hallucinant, c'est monstrueux. Donc je pourrais peut-être même dire, sans y avoir joué, que Castlevania 1, Lord of Shadow, était très certainement mieux que ce 2. Mais le fait de pouvoir incarner Dracula, voilà quoi. Et en plus la durée de vie est nickel. Peut-être un peu plus courte j'ai l'impression. Peut-être un peu plus courte que l'un, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Bref, en tout cas, moi je vous dis un truc. J'ai pris grave de plaisir, attendez un instant. Voilà, excusez-moi. J'ai pris grave de plaisir à jouer à ce jeu. C'était vraiment une belle expérience. Donc je pense que je vais peut-être m'atteler sur Lord of Shadow 1 plus tard. Plus tard, hein, parce que je l'ai acheté mais j'ai pas encore joué. Surtout qu'il y a Mirror of Fate aussi à jouer si on veut comprendre la transition entre le 1 et le 2. Donc voilà, franchement c'était une belle expérience de jeu. Je vous le conseille à tous, que ce soit sur console ou sur PC. Peut-être plus sur PC parce qu'apparemment sur PC il est vachement mieux optimisé. Apparemment on peut faire du vrai 1080p par 60 images secondes. Donc voilà, j'aimerais peut-être aussi me le prendre hein, sur PC pour voir, hein, pour voir si c'est vrai. Mais bon, si vous avez une console, achetez-le sur console. Hein, moi, je ne peux que vous le recommander chaudement. J'ai super kiffé ma race. Et donc, ben voilà, ça fait un plein truc de moins. Parce que demain, on commence Infamous Second Son, logiquement. Si je dis pas de bêtises sur les horaires, normalement, oui, ça doit être ça. Oui, je crois que c'est demain. Je crois que c'était le 21, sortie officielle. Il est déjà chez moi, Infamous Second Son, donc voilà. Donc, ben voilà, en tout cas, j'espère que ce plein truc vous aura plu. Si vous voulez vous y atteler, n'hésitez pas à vous y atteler. Si vous attendez qu'il sorte en occasion, n'hésitez pas à attendre qu'il sorte en occasion, hein, parce que je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui le vendent en occasion. Sur ce, je vous laisse ici, mes petits loulous. Prends soin de vous, prends soin de roll. N'oubliez pas d'avoir la... Ouh, attitude, comme d'habitude, je serai pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je vous souhaite plein de pouvoir tout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, bouti bouti.